Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand eh bien, qui connaît lui aussi une phase de consolidation. Puisqu'après être resté ici au-dessus de cette zone des 14 130 points, eh bien nous avons connu donc dans le sillage de Wall Street une cassure de cette zone avec une phase de consolidation qui est en train de se matérialiser. Donc si on considère ici l'ensemble de la dynamique, et si on prend la dynamique la plus directe, eh bien nous avons ici une configuration qui nous donne des retracements de Fibonacci, avec donc une rupture ici de ce retracement à 23,6%. Donc clairement, on a ici un signal de consolidation, on a une zone intermédiaire ici à 13 789 points, mais l'objectif c'est désormais le deuxième retracement de Fibonacci ici à 13 588 points. On est sur une bougie totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger aujourd'hui, donc c'est dire que la pression ici baissière est relativement forte puisque c'est une configuration qui n'est pas très commune. Clairement, ici, on est sur une phase où en cassant ici cette zone des 13 800, on pourrait encore accélérer à la baisse. Au niveau des indicateurs techniques, on matérialise bien ici une forte pression baissière donc sur l'indice allemand, donc un petit peu comme ce que nous avons sur l'indice parisien. Eh bien, on surveillera la semaine prochaine donc une éventuelle rupture de cette zone des 13 800, le retour ici sur la zone 13 588 13 600. Tant que l'on est au-dessus de cette zone, on peut avoir ici un rebond qui pourrait nous faire revenir ici sur la zone des 14 130 points, voire légèrement plus haut ici la zone des 14 200 qui a joué le rôle de support ici sur toute cette phase de neutralisation. Donc pour l'instant, c'est un début de phase de consolidation. L'intensification se ferait sur une rupture de cette zone des 13 588 points avec comme objectif eh bien, une zone possible ici entre 13 000 et 13 300 points. Globalement, ça reste haussier pour l'instant, on n'est que dans une phase de consolidation, mais attention ici en cas d'intensification. Sur l'Eurostox 50, nous sommes dans une configuration là aussi de consolidation, puisque après ici cette forte dynamique haussière, eh bien on s'était neutralisé ici dans une zone repositionnée, donc au-dessus de 3847 points et avec un plus haut ici à 4033 points. On est venu tester cette zone des 4033 et puis là on a cassé hein, le bas du range avec là aussi un signal de consolidation. Alors on a des niveaux intermédiaires hein, avant d'arriver ici à 3650. Ici, on le voit sur cette petite phase là, 3740 points. Ça pourrait bien être ici eh bien, un objectif de consolidation avant éventuellement de revenir donc sur 3650 et cette zone ici des 3570 points. Donc, par contre, si on venait à casser ici cette zone donc des 3677, donc ici on a 3740, 3677, 3650. En cassant ces zones, et notamment ici celle des 3700 points, clairement on aura un signal d'intensification donc de ce mouvement de consolidation, hein, comme nous l'avons sur d'autres indices européens, et il faudrait repasser ici au-delà des 3847 pour neutraliser la dynamique. Donc pour l'instant on est sur la même posture hein, au niveau de l'Eurostock 50, à savoir ici une impulsion haussière qui a tout de même cassé des précédents points hauts significatifs, une phase de consolidation qui pour l'instant ne remet pas la dynamique en cours, puisque même ici cette zone de résistance ici à 3820 points, eh bien, elle est quasiment encore support, même si eh bien, une petite poussée la semaine prochaine suffirait à l'invalider. Mais globalement, on reste toujours aussi avec une phase de consolidation. Si on rebondit ici au-delà des 3847 points, eh bien, ça sera une neutralisation, mais d'un fond de tendance qui reste orienté à la hausse. Au niveau des indices américains, on le voit, la phase de consolidation a été relativement forte. Hein. On attendait donc une reprise du mouvement haussier. La semaine dernière, je vous indiquais qu'il fallait préserver cette zone ici et 3915 points. Eh bien, c'est manqué, hein, puisque avec donc, l'intervention de Jérôme Powell, on a eu un gap ici et puis du coup, on s'est enfoncé. On s'enfonce encore aujourd'hui. Donc, grossièrement, eh ben, l'objectif là, c'est 3810 puis 3720 points. Et globalement, eh bien, on était ici dans une tendance qui avait du mal à se retourner. Hein. D'un point de vue moyen terme, ça reste orienté à la baisse, et le fait ici que l'on soit dans l'incapacité de monter ici
au-delà des 3980 points, eh bien, nous indique qu'on est sur un mouvement qui est dans la continuité, en fait. C'est-à-dire que là, si on imprime un gros mouvement baissier, eh bien, quelque part, on aura une poursuite ici de vagues qui se fait à la baisse, et donc cela entretiendrait ici la poursuite de cette dynamique. Donc pour changer, justement, pour sortir de cette tendance, il faudrait rapidement repasser ici au-delà des 3915 et puis repasser ici au-delà des 4100, sachant que pour invalider la dynamique d'un point de vue moyen terme, la précédente zone de point haut significatif se situe ici à 4325 points. Donc pour l'instant, au mieux, tant que l'on ne casse pas ici 3550, on est dans une phase de neutralisation, mais par contre, en cas ici de cassure donc de la zone 3810 puis 3720, clairement la pression resterait fortement baissière sur l'indice élargi des valeurs américaines. Au niveau du Nasdaq, la configuration est assez similaire. On a cassé ici une zone à 11575 points. Cette zone était déjà friable. On avait vu que précédemment résistance, après la cassure, on avait de nombreuses attaques sur celle-ci, mais globalement, elle tenait. Là, on l'a franchie suite à l'ouverture d'un gap baissier. Donc jeudi, vendredi, de séances baissières qui ont permis de valider la cassure de cette zone de support avec un retour possible ici. Alors on a une zone intermédiaire ici à 10945 points, mais là désormais on le voit, la prochaine zone ici significative, elle se trouve ici, sur cette zone de point bas, sur un niveau proche ici des 10675 points. Donc tant que l'on est au-dessus de cette zone, on est dans une phase de neutralisation au sein d'une tendance qui reste plutôt baissière, un petit peu comme ce que nous avions sur S&P 500, on va même un peu plus vite à la baisse sur le Nasdaq. Par contre ici, sur rupture de cette zone, on validerait donc la poursuite du mouvement avec peut-être même une phase d'accélération, puisque le rebond technique ici d'un point de vue moyen terme est relativement faible. Pour préserver les chances de ne pas sombrer, il faudrait rapidement revenir ici au-delà des 11575, puis 12200 points pour espérer ici prolonger la dynamique donc de ce rebond, mais qui au regard du reste de la dynamique semble essentiellement technique. Donc pour l'instant la pression reste baissière, attention la semaine prochaine à cette zone ici des 11000 points et à cette zone ici de support pour éventuellement valider la poursuite de cette dynamique qui reste donc baissière. Et puis enfin, on termine avec le Nikkei qui, suite à ce mouvement ici, était revenu donc sur cette zone des 27385 points. Bon, pas grand chose à dire sur cette séance. On est sur cette semaine, on est remonté ici, on redescend. Donc globalement, ça se neutralise sur le Nikkei. On a ici un support majeur qui se situe à 25800 points. On a une résistance qui est un petit peu plus flou au niveau des points hauts de cette zone de range, mais globalement il n'y a plus réellement de tendance d'un point de vue moyen terme. On a des lignes de support et de résistance qui ne sont plus respectées, donc globalement ça oscille ici autour de cette zone des 27380 points. On revient vers cette zone qui est un petit peu le centre, je dirais, de cette évolution neutre moyen terme. Et donc globalement, pour l'instant, pas grand chose à dire sur le Nikkei. Il faudrait vraiment avoir de gros décalages à la hausse ou à la baisse pour commencer à avoir une vraie tendance qui se dégage. Mais pour l'instant, c'est trop dispersé pour avoir une tendance plus marquée. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché pour cette fin de semaine. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.